Bonjour YouTube, cinquième épisode de ce let's play incroyable en coopération sur Stardew Valley avec Emma. Salut. Alors petite voilà, donc là je suis en train de lancer. Donc a priori, dans pas longtemps tu vas pouvoir rejoindre. Alors petite précision, c'est bon. Petite précision, c'est le premier de l'été et en fait la dernière fois, donc c'était la dernière journée du printemps et on a totalement merdé parce qu'il pleuvait, rappelez-vous. Et en fait on est parti d'équerre, on est parti faire nos trucs et en fait on a complètement zappé de voir si on pouvait ramasser des trucs. Et donc il y avait les choux tout en bas qu'on devait ramasser, qu'on pouvait je pense ramasser, qu'on n'a jamais ramassé. Pourquoi ma lumière elle est... Pourquoi je suis si sombre? Bon tant pis, on fera avec. Mais du coup... La misère, donc là faut tout péter. Donc tu prends ta hache, tu pètes tout. Ça m'étonnerait qu'on ait de quoi planter jusqu'aussi bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un truc que j'ai ramené de la mine. D'accord, alors s'il faut le donner à Gunther, faut y penser. Hein. Non. Ah ouais, hein, du coup, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué, donc il va falloir se remettre dedans. Et, putain, je crois que j'avais mon seau à récupérer, une connerie. Ou alors non, c'était toi ton seau, il fallait que t'ailles le donner. Je pense que tu vas aller donner ton seau. Mais j'avais donné déjà. T'es sûr? Oui. Mais quand? Ben, la dernière fois. Quand on avait dit, oh, il pleut, on n'aura pas besoin d'arroser, tu vas aller emmener le seau. Et t'es sûr que tu lui as emmené? Ouais. D'accord. Ok, bon, mais ça veut dire que d'ici un jour ou deux, tu vas devoir la récupérer. Bonjour, girl. J'ai lu l'article qui parlait de toi dans le journal local. Je suis tellement impressionnée par tes progrès à la ferme. Continue comme ça et ton vieux papa pourrait bien prendre sa retraite dans un bungalow de luxe aux îles Fern. Je t'aime, papa. Je sais pas si je vends les 25 réforts sauvages. Ouais, je vais garder de côté les... Ouais, les 25 réforts sauvages, je vais les garder de côté au cas où on a besoin de bouffer. Je vends les 15 poireaux, les jonquilles, racines diverses, ça par contre je garde. C'est le moment de faire le tri. Un petit tri avant de repartir. Il est déjà 9h. La racine d'hiver, je la mets de côté, faut pas y toucher. Ça, faut que j'emmène à Gunther. Ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait? On repart dans la grotte? Non, déjà on va acheter de quoi planter. Mais je sais pas si le premier du mois on peut. Je crois que c'est que le deuxième du mois. Donc ce qui serait bien c'est de préparer le terrain. Le problème c'est que je sais pas trop ce qu'on va... Donc je bêche. Oui, bêche, commence à bêcher, ouais. Ah mais ça c'est de la bouffe, ça faut le prendre. Le champignon, ouais. Carotte, ok. Et donc je mets les ailes de chauve-souris dans les trucs de ressources, donc faut pas batailler. Hein. L'aigle marine, un truc que t'as looté qu'il faut emmener à Gunther. Moi c'était pas marqué qu'il fallait emmener à Gunther. Il y a écrit Gunther, peut vous en dire plus sur ce minerai. Ok, bon de toute façon j'ai un milliard de trucs à emmener. Hop, je refais des appâts. Je commence à accumuler pas mal d'appâts. Mais faut avoir des meilleures cannes à pêche. Alors je sais pas si on peut en avoir ou en crafter ou quoi, je sais plus. Le courrier. Bonjour Bulette. Oui, alors oui, c'est bon. C'est ce qu'elle vient de lire. Au pire, ouais. Fais juste, voilà, juste au-dessus de l'eau, là, toute cette partie-là, et après bataille pas. Hein. Ouais, il est déjà 11h. On va tracer, je pense. Prends ta canne à pêche, au pire, je pense qu'on va finir la journée en pêchant. Ouais, je l'ai. Mais qu'est-ce que je fous avec ça, moi? Hop. Et... Au pire. Hop, ben bah c'est parti. On va voir si on peut... On va voir si on peut acheter les... Mais il me semble qu'il y avait un délire comme ça, genre la première journée du mois, on peut pas... On peut pas acheter des graines. Enfin, la boutique est fermée, je crois. J'ai du minerai de cuivre. Et Saint-Jean, la musique.
Je recherche algues pour rôtir pour le dîner de ce soir. Pierre, eh ben Pierre, c'est celui qui vient de passer, celui avec les lunettes. À gauche. Il faut aller chercher des algues. Des algues, je sais pas si t'en as de côté. Je sais pas. Ah non, Pierre, c'est Ah non, Pierre, c'est le l'épicier. Ah mais c'est bon, on peut acheter des graines et tout en fait. Oh, un écureuil. Oui, oui, non, non, on a pas le temps. Oh, ben en fait, on peut acheter les graines et donc je peux acheter les graines de maïs 150 balles le pied. Eh ben, il se fait chier. Rip les sous. Bon, j'en ai acheté 80. Algues, il en faut combien? Une. Et tu lui emmènes à l'épicerie, tu prends l'algue dans les mains et tu passes derrière le comptoir et tu viens lui parler. Bon, je nous ruine, mais c'est en tout bien tout honneur. Mais c'est voulu. Ouais, bah en fait, on va bêcher à mort. On va pas pêcher du tout, on va bêcher à mort. Oh oui, putain, oui, l'engrais, il faut faire les engrais. Oh mais vite, va emmener ton algue et Ah mais attends, je sais pas si toi tu vas avoir la même quête que moi. S'il te plaît, ne me rapporte plus jamais de trucs comme ça, t'es sérieux? Mais t'es sûr que c'était une algue? C'était pas une algue marine? Tu t'es pas trompé? Non, il est marqué algue. Eh ben oui, mais parce que ça se trouve, c'était moi. C'était à moi de le faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'était à moi de le faire. Toi, t'avais pas la quête. Ou alors peut-être qu'il fallait que tu la prennes. Bah non, j'en ai pas de quête affichée. Super, j'ai pas assez de sous pour la dernière géode. Ma vie nulle. On a 1 euro. Et encore, c'est même pas des euros. C'est là, c'est notre compte bancaire actuel. Là. En fait. Ah bah demain, quand je vais aller chercher le jeu, ça va être ça. Hein. Voilà. Bon, du coup, il me reste encore une géode à péter. Fais chier. Faut aller bêcher. Il t'en reste des algues ou pas? Ouais, il en reste, oui. Bah... Par contre, n'oublie pas ton chat. Hein. Ouais, 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 non, mais t'inquiète. Comment vraiment continuer à bêcher? Par contre, j'ai pas vu si on avait de quoi planter des. Ah, mais oui, il y avait sûrement du raisin à planter. J'ai pas. On aurait pu faire des haies direct. Non, parce que là je t'explique, il y a 140, non même plus que ça, il y a 100, presque 180 à planter. Alors je mets tout de côté. Oh mais on avait aussi des graines de melon. Oh là là, bah oui non mais. Au secours. Et la sève. La sève, la sève, la sève. Non mais tais-toi. Parce que si t'essayais de reprendre la sève. L'engrais de base, alors, du coup on va plus avoir de sève. Oh mais il est déjà 17h10, on aura tellement pas le temps. Et du coup cette musique, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Non, j'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est Vanessa Paradis? Non, c'est pas ceci gnangnan. T'as en plus mon père. C'est que c'est M en plus. Ouais, ouais, c'est surtout Johnny Depp qui a composé, mais mais non, mais c'est elle qui chante avec. Il y a un truc à péter derrière le. Derrière l'épouvantail. Ouais, faut se manier le cul, hein. Attends, faut que je donne d'abord au chat. Qu'est-ce que c'est à péter derrière l'épouvantail? Faut pas le péter. Il y a un truc à péter derrière la hache ou quelque chose, c'est un mauvais pied qu'on a zappé. J'ai pas de hache. Comment ça vous épuisez? Au secours! Bon alors, je commence à foutre l'engrais. Et dans le coffre de droite, il y a toutes les graines. Au pire, tu ne prends que le maïs. Ah, il faut penser, il faut se dire qu'il faut arroser aussi derrière. Hein. Et demain, tu essaieras d'aller chercher ton seau, du coup. Parce que là, un seau. Ah oui, mais là, oui, en plus, on a qu'un seul seau. Et ben rip. On va pas pouvoir tout. Tu prends que une variété, tu prends le maïs en priorité.
que du coup derrière il faut que je me tape l'arrosage. Et ouais, j'ai complètement zappé qu'on avait le raisin, qu'on pouvait prendre le raisin. Emma, faut que tu plantes le maïs. Oui, il faut que je mange parce que j'ai rien. Non, mais planter le maïs, ça coûte rien en fait. Je plante en bas. Non, je viens de te dire, tu plantes en haut. J'ai mis de l'engrais exprès. Putain, et le raisin, quoi. On aurait pu faire des rangées. Tu plantes là partout où j'arrose. T'inquiète. Même si tu plantes avant moi, c'est juste là, t'as vu, j'ai balisé un secteur. Tu plantes là-dedans, dans ce secteur. T'as peur que je bouffe moi aussi. J'espère que t'as pas pris toute la bouffe. Voilà, quel enfer. C'est toujours compliqué en fait la première journée d'une nouvelle saison. Et là t'as vu, on est encore en pleine bourre. Mais là l'avantage c'est qu'on a déjà les graines et tout. Donc bon, demain il faudra encore rebêcher parce que ça se sera... Mais faudra à tout prix que t'ailles chercher ton seau quoi. Putain, je récupère pas assez. Il en reste combien des plantes de maïs là? 9. Ok, bon bah fini de planter. Ok, bah va prendre d'autres plants. Tu prends, je sais pas, j'en sais rien, peu importe les... Ah oui, de myrtille. Attends. Oui, attends, stop. Tiens, je te pose l'engrais. Il faut que tu mettes l'engrais d'abord. Tu mets l'engrais d'abord et après tu plantes. Donc au pire, balise à fond avec l'engrais et après tu repasseras derrière et tu... Ah mais t'as zappé... tu m'as carrément fait un trou là. Remonte. Ah oui, non. Fais d'abord l'engrais. Putain, 23h. Va pas trop loin. Moi derrière, il faut que j'arrose. Hein. Ouais, voilà. Au pire, comme ça. Tiens, là, ici, là. Côté de l'épouvantail à droite. Et ensuite, tu rushes les myrtilles. Tu mets les myrtilles dans la lignée que tu m'as oublié, là, au-dessus des maïs, là. Au-dessus de moi, là. En plus, t'as tabac, toi, c'est craqué. Et bah de toute façon t'as le tracé là de tout où tout s'est arrosé. Tu t'enchaînes. J'avais donné au chat, oui c'est bon. Et ben bah, on est bon. Et donc dès que t'as fini de planter, et ben au lit. C'est pas grave, si après il t'en reste des myrtilles, on continuera à planter demain. Il y aura un décalage mais c'est pas grave. Allez. Ah mais t'as tout planté? Ouais. Ah bah pile poil. Nickel, du génie. Allez au lit. Par contre, je te le dis, l'été, il pleut pas beaucoup. Hein. Là-dessus, c'est assez RP. Putain, ouais, t'as vu, c'est un peu le rush. Hein. La première journée, c'est... Bon, on a démarré un peu lentement, mais... Bon. Il y avait ça de côté. Combat. Ah bon. Quoi? J'ai eu un niveau en plus en combat. Ah, d'accord. Je me suis battu avec une myrtille. Donc là, c'est reparti. Bah du coup, je suis bon pour arroser. Je continue à planter des trucs, ouais, tu mets bah, de l'engrais. Tu mets de l'engrais, tu continues à mettre de l'engrais, tu continues à planter. Et dès qu'il est 9h, tu files au forgeron pour récupérer ton seau. Normalement, c'est 2 jours. Hein. J'ai un gros doute, mais... Putain, il est raisin, quoi. Alors, je sais pas du coup si on fera du raisin cette année. Ok, bah c'est pas grave. Et je plante ce qui reste en engrais. Oui, après si tu veux faire de l'engrais, au pire tu peux péter des arbres et avec 2 sèves tu fais un engrais.
Mais bon, au pire, c'est pas grave. Plante, continue de planter. Là, on, si tu veux, on a opti l'engrais sur les myrtilles qui poussent en continu et le maïs qui pousse en continu. Donc en fait, on a déjà deux ressources blindées où on aura plus de chances d'avoir de la ressource de qualité. Et du coup, les tomates, je plante même s'il n'y a pas d'engrais. Oui, 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 vas-y. C'est dommage, mais c'est pas grave en fait. Parce que là, déjà, on a vraiment opti au niveau de l'engrais. On aurait pu faire plus d'engrais, mais c'est pas grave. Heures sera pas ouvert le forgeron. Non, c'est 9h. Normalement, on a tout planté. On a du melon aussi. Oui, 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 plante le melon. Important le melon. Par contre, il faut recommencer à bêcher. Le melon, ça prend un peu de temps. Après, je trouve que le melon est pas hyper intéressant. Ouais, bon, là. Ouais bon, j'allais dire pour les ranger pour le raisin, mais au pire c'est pas grave. Parce que du coup je pense qu'on va se faire un extérieur. On va se faire une rangée mais juste extérieur à gauche pour le raisin. Voilà. Là l'été c'est un petit peu la misère là-dessus. C'est là que tu vois que ça commence à prendre forme. Là, tu vois, le premier mois, on a été comme des galériens. T'as pas trop pu d'eau, enfin, t'as pas trop pu jauger la ce qui happe en fait dans le jeu. L'aspect vraiment farming quotidien, répétitif et un peu. Courrier. Ouais. Mais c'est le même. D'accord. Y'a plus rien à planter, c'est bon là? Ouais. Eh ben file, bah, attends, viens me voir. Tiens. Allez, hop, comme ça t'as une géode à péter aussi, dans la foulée. Voilà. Bah j'espère vraiment que tu peux récupérer ton seau là maintenant. Je sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain. J'ai un gros doute. Putain, le raisin. J'étais con de zapper le raisin. Le raisin en plus qui est comme le maïs, hein, qui est sur deux saisons, je crois. Ça, c'est trop craqué de faire le raisin. Putain, j'ai zappé. En plus de ça, on pourrait faire du vin après. Faire le vin, c'est craqué aussi. Hop, ok. Est-ce que je me prends... Ok, le chat. Arrosoir. Yes, tu l'as, c'est cool. Bon, du coup, donne-lui la géode. Bah écoute, je vais continuer à péter du bois dans... Oh putain, mais j'ai... Je suis épuisé. Ça pour une pierre. Bah regarde, si la pierre, t'as pas à la donner à Gunther. Ah non, mais une pierre normale. Ah, un caillou. Ouais. D'accord. Bon, ça arrive. Mais je vois... Quoi? Je vois un buisson où il y a des... Ça ressemble à des baies, ouais, violettes. Ouais. Et je vais pas les ramasser. Des murs. Je vais pas les ramasser. Ah, je sais pas, Emma. Je sais pas. Écoute, normalement, oui, tu peux ramasser des baies en été. C'est des murs que tu peux ramasser. Mais je vois pas te dire comme ça. Et voilà. T'as besoin de moi ou je me mets à pêcher? Comme tu veux. Je suis en train de péter des arbres histoire de ralimenter notre stock de bois parce qu'on en a besoin même pour le centre communautaire. Et faire de la sève et tout en même temps, donc pour éventuellement de l'engrais plus tard. En sachant que l'engrais, en fait, moi je m'étais beaucoup pris la tête sur ma run au début. Et après, j'avais laissé tomber. On s'en fout, on plante et on bataille pas. Mais au début, je trouve ça important parce que ça optimise les gains. Donc c'est cool d'en avoir. Bon, là on a planté un peu comme les sauvages sur la fin de. De ce qu'on a de côté, mais dès qu'on va commencer à vendre, tu vois, le maïs ça va rapporter. Hein.
Ça va rapporter. La pioche. C'est chelou ça. Quoi? Je peux ramasser CB. Mais bataille pas, bataille pas, occupe-toi Emma. Optimise. T'as un replay réfort quoi. Plus de réfort. Bon, ce qui est cool, c'est que tous les matins on va pouvoir partager les tâches. Moi je me rappelle que le début de mon été j'avais pas planté autant. J'avais pas pu et je m'étais dit oulala, ça va être trop. Et avec les sopes améliorés, c'est trop chaud. Et même en étant méga amélioré, ouais, tout seul avec le saut méga amélioré, je l'avais fait. Je suis allé vachement plus loin, mais pff, c'est tendu. Hein. Ok, je me demande même si je vais pas péter au centre communautaire. Ah ouais, il y a moyen. Merde, que j'ai branlé. Ah, mais il y a moyen de faire un minerai de. Un lingot de. De fer. Ah, faut que je regarde si on a besoin de. Ah, mais oui, mais il y a tellement moyen de faire. De faire un petit voyage là. Un petit voyage sympa là. Toujours pensé, ben, dès qu'il y a moyen de faire des lingots. Parce qu'en fait, c'est. J'ai mis du cuivre. Oui, mais t'en as mis un et le lingot de cuivre il a été fait hier en fait. Attends, que je regarde le centre communautaire parce qu'on avait débloqué les nouveaux. Ok, donc à ça à emmener. Ouais. Ah, les piments aussi, putain, il aurait fallu planter des piments. Ah, il faut 10 de bois comme ça. Oh, misère. Ok. Bon, moi je suis quasiment dead, donc je vais pas. Je vais juste continuer à. Je vais emmener des trucs au centre communautaire. Ok. Ah, le raisin, mais j'ai vraiment été con d'oublier le raisin. Bon, après la première. Putain, c'était important en plus le raisin. Putain, en plus on a planté que des trucs qui mettent du temps à. Donc, ouais, en fait, limite pour optimiser, il faudrait pêcher. Uniquement pêcher pour vendre masse de poissons. Et faire entrer de la thune. Non, ce que t'as vu, c'est juste un buisson fleuri, Emma. Ah. T'as des bêtes. Ouais, mais non, mais t'en as, mais c'est. Ça a pas cette gueule là. Quel gros con ce poisson! Ok, là non. Est-ce que là. Non, j'ai pas mangé de ça. Ah, oh yes, j'aurais pu rapporter de ça. Oh, j'ai zappé. Oh, on aurait tellement pu avoir. D'accord. T'as, par contre, au centre communautaire, je sais pas si toi ça te le faisait, mais moi j'ai un bug après avoir interagi avec un des encarts. A chaque fois, ça me fige. Je suis obligé d'appuyer sur croix et de. Enfin, d'appuyer sur plusieurs touches pour me débloquer. Non. Ça m'avait dit putain. Ah, mais j'ai zappé trop de trucs en fait. Il aurait fallu que je plante des piments vite fait. Il aurait fallu que je mette les raisins. Ok. Ah ouais, putain.
Bon, par contre, en été, il y a aussi moyen de ramasser des ressources. Et il y a un triplé en fait à faire en été. Et donc, faudra penser à prendre un triplé et l'emmener au centre communautaire. Mais merde, quel con, j'ai zappé. C'est pourquoi j'étais venu à la base. Ouais, donc là, le problème, c'est vu nos sous et vu qu'on a planté un paquet de trucs qui sont. Qui prennent du temps à pousser. Pour faire entrer de l'argent, on va pas avoir d'autre moyen que de. Que de pêcher en fait, pour vendre des poissons. Bon, j'ai vendu 200 de bois et 100 de cailloux, mais c'est pour le centre communautaire. Et il faudra 10 de gros bois. Alors les 10 de gros bois, à mon avis, on les fera pas. Enfin, on peut les faire aléatoirement comme ça dans les mines. Mais c'est quand même assez rare de looter des gros bois dans les mines. Donc ce sera plus quand on améliorera les haches. Mais ça c'est pareil pour encore pour la pioche, les améliorer progressivement comme on fait avec le seau, je dis oui. Bah alors par contre pour ce qui est de la hache et bon la houe, après je crois que la houe ça sert pas à grand, enfin la bêche ça sert pas à grand chose. Tu peux oui mais en fait c'est comme le seau. Genre tu maintiens appuyé pour meubler le sol en rangée quoi. Bon, 23h faut rentrer. Pêcher quelques poissons. Et ben alors mets-les de côté, tu vérifieras Ah, y a rien d'intéressant pour son truc. Attends. t'es sûr? Ouais, on les a déjà tous mis. Ok, bon allez go go lit. Ta météo, ouais, clair et ensoleillé. Allez, oui. On coupe pas d'un coup. Ah. Se passe quelque chose. Niveau 2 en pêche. Niveau 4 en cueillette, compétence de hache, récolte de baies sauvages, ok. Nouvelle recette de fabrication, fournaise à charbon. Ah oui, c'est vrai. Heureusement que j'ai pêché, hein. Ça sauve les meubles. Nouvelle recette de fabrication, graines sauvages été, ouais. Oui, non, mais de toute façon, faut faire ça. Là, parce que vraiment, je crois que le maïs, ça va prendre son temps avant d'arriver à terme et ensuite produire. Et même le reste, ça va être la misère. Donc là, vu que t'as ton seau maintenant, on arrose à fond, tous les deux. Donc tu maintiens appuyé ta touche pour avoir... Il y a eu un tremblement de terre pendant la nuit. Cette musique à la Shrek. Petit courrier. Bulette, c'est un peu embarrassant. J'ai perdu mon short violet porte-bonheur. Je vous le dis parce que je pense pouvoir vous faire confiance. Si vous le retrouvez, rapportez-le moi discrètement. Je paierai bien. Merci, le maire Lewis. Alors faut savoir que moi son short, je l'ai jamais trouvé. Ah. Donc bah j'ai pas vraiment cherché mais j'ai jamais trouvé. Allez, c'est parti, on arrose hein. Il est déjà 7h hein. Normalement faut enchaîner direct hein. Je crois que je vais aller vite fait acheter 2-3 graines. C'est un coup à prendre hein, de rester appuyé pour charger le seau. Au début t'as l'impression que tu perds du temps en fait, non ça.
Quand t'es au bord du plan d'eau là ici, si t'arrives pas à charger, c'est normal hein. Comment tu vas le chat? Bon, il est 9h, c'est bien. Bah alors on a deux solutions, soit on peut éliminer, soit on peut quoi, aller juste pêcher. Aller pêcher. Putain, toi je te sens 3 épées par la pêche, alors qu'au début t'étais... Bah faut que je m'améliore. Oui, c'est pas pour moi, tu vas le faire. Bah c'est pas trop pour moi non, parce que quand ça fait un barreau... Ah bah ça c'est au début, mais ça, on a une cage de la pêche de merde aussi. Hein. Bon bah je prends juste la canne à pêche, et puis un nick. Oh, t'as par contre l'énergie, au secours. Au secours l'énergie. Tant pis. Je vais aller acheter vite fait quelques... Ah merde, il y avait la quête de l'algue que j'ai jamais validée. RIP. Yes, j'ai de quoi ramasser. Paf, on va emmener ça. Direct au centre communautaire. Ah mais les raisins, putain. La priorité en fait c'était le maïs et le raisin. Et j'ai complètement zappé le raisin. Je suis fou. Une carotte des cavernes a 2 fois sa valeur marchande à me remettre en main propre, Jody. Putain, et on a 60 pour 60. Ouais, on en a 2. Fermé le mercredi, putain, le magasin est fermé le mercredi. Mais pense à aller voir les quêtes, hein, au tableau devant chez Pierre. Parce que ça se trouve, il peut y avoir des récompenses hyper intéressantes. Alors si tu vois un truc qui ressemble à une citrouille à ramasser, je sais pas exactement c'est quoi. Faut le ramener au centre communautaire. Ok. Mais c'est un fruit un peu rare, c'est un peu comme le réfort quoi, c'est un peu rare à trouver. Bon, je vais m'occuper de ma petite quête. Putain, mais 75 balles quoi, c'est pas ouf. Hein. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'énergie donc. On va faire ça. Zoui, zoui, zoui. Zoui. Ah ouais, mais le magasin de pierre qui est fermé le mercredi quoi. Tout le monde est fermé le mercredi, qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça parce qu'ils ont des enfants. Ok. Bon c'est cool, là ça va, ça avance bien. Là vraiment l'argent ça fait vraiment la grosse misère, mais tu vas voir vraiment, c'est que ça va commencer à rentrer. Et le pire c'est qu'en fait tout ce qu'on a planté sauf le melon, c'est que des produits qui produisent en continu. Et c'est ça qui est ouf en fait. C'est que autant le mois passé on faisait que faire du repeat sur acheter, machin, planter, tout ça, donc il y avait toujours une petite perte avant le profit, mais là ça va être vraiment que du profit. Elle est où Judy? Mais merde, elle est où? Mais où est-elle? Il est tout seul dans son bar. Mais putain de merde! On a loupé un événement ou quoi? Mais. Ah, mais elles sont peut-être à la plage! Ben oui, c'est l'été! Ah mais oui, mais vu que c'est l'été, elles ont des patterns et donc elles sont en train de se baigner, donc on les voit pas sur la plage, donc il faut que je les trouve ce soir. Je les déteste. Ah, t'es là. Ouais, ah, j'ai un poisson pour son communautaire.
tu vas l'emmener avant de rentrer. Ici, ils sont trop durs les poissons, je crois que je vais m'en aller. C'est les concombres des mers, je pense, que t'as avec lesquels t'es en train de batailler là. Putain, j'ai loupé trois coffres, du coup. Ah, super. En fait, faut y aller par à coup. Hein. C'est vraiment. Bon, c'est vrai que cette canne à pêche, c'est vraiment de la merde. Un rouget. C'est ça que t'avais emmené? Non. Une. Dryade, je crois quoi. Peut-être le rouget. Sauf que là, je vais te le donner, tu vas, là, tu vas le déposer aussi. Non. Tilapia. Je crois qu'il y a des choses bizarres derrière moi, Sus. Non, non, c'est bon, bataille. Attends, je suis concentré. Yes! Mais oui, mais t'as pris son coin de pêche. Oh, j'ai pêché un thon. Et j'ai un coffre. Avec deux. Avec deux géodes gelés. Énorme. Qu'est-ce que j'ai pu passer du temps à pêcher aussi sur ce jeu? Alors tout ce qui est algues et compagnie, après Emma, si ta barre de stamina elle est pas vraiment au fond, ne consomme rien. Mets de côté plutôt pour la mine, si possible. Après si t'es vraiment en mode dash, tu galères, bon, bataille pas quoi. Rouget, c'est bon, j'en ai un rouget. Alors s'il est de qualité, donc avec une étoile, tu le donneras pas. Moi j'en ai eu un avec une étoile. Moi il est pas avec étoile. Ah ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être utiliser les appâts. Je pense qu'on va se répartir un petit peu d'appâts, histoire d'optimiser le temps de pêche. Ça c'est un peu la misère. Un flétan. T'en as déjà pêché un flétan? Un flétan, ça me le dirait. Il est noir. Ah j'ai un rouge avec une étoile, je vais te le passer. Ça, par contre, c'est le thon, là. J'en ai eu qu'un seul. Il est étoilé. Bon, au pire, tu vas le prendre. Et donc, en sachant que la nuit, là, on peut tomber sur des. J'allais dire des monstres. Des poissons. Un autre flétan. Oh, deuxième flétan. Étoile argentée. Il n'y a que dans un aquarium qui peuvent nous demander le poisson. Oui. T'as un autre flétan. Troisième flétan argenté. Putain. Flétan. Il est avec une étoile? Non. Ouh là là, on se il bouge. Ouf. Adieu. Rip. Oh là, non, c'est mort. Le concombre, on n'a pas la bonne canne à pêche là. Ah, j'ai un flétan. Ouais, 21h30, on va commencer à décarrer. Je pêche un dernier. Je trouve Jody. Je vais te filer. Alors, tu m'as dit que t'avais un flétan étoilé normal. Enfin, t'avais pas d'étoile sur un des flétans. Je te donne un rouget sans étoile. Allez, tiens, le rouget. Non, mais j'avais pas besoin. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà. Ah, bah tiens, rends-le-moi.
Ah, attends, je te donne le ton. Allez. Pourquoi tu peux pas traiter la demande? Excuse-moi. Allez, va au centre communautaire, vite. Il faut que je trouve impérativement Jody. Par contre, file, hein. T'arrêtes pas en route, hein. Ça va être compliqué. Ah, mais elle est pas là, Jody. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Me dis pas qu'elle est en train de rentrer chez elle. Oh là là, mais fais chier. Bon, ben nique la quête, hein. Je sais pas où elle est. Bon, il faut songer à rentrer là. Au pire, bataille pas, hein. Si t'as pas fini, c'est pas grave, hein. Tu rentres vite. C'est les minuit 20 là. Allez, puisque là en plus, si demain on n'a pas d'énergie, ça va être la misère pour faire la journée. Mais non, mais non, faut pas la carotte, on s'en bat les couilles. Allez, moi je suis au secours. Je suis couché. Ah, j'espère que je vais pas me taper un malus parce que tu rentres pas. Mais non, ta gueule! Après, le fait de progresser en pêche permettra éventuellement de faire rapporter plus d'argent avec la pêche des poissons, avec la vente des poissons. Bon, moi j'ai mon énergie, toi tu vas être en malus, tu vas pas avoir toute ton énergie, mais il faut arroser quand même, hein. Tu vas vraiment me faire un demi-tour alors que tu pouvais commencer de l'autre côté? Bon, c'est pas grave, de toute façon on est quand même bien lancé, hein, dans tous les cas. Allez. Bon, il faut impérativement que j'aille chercher piment. Ouais, c'est pas la priorité, hein. Je pourrais même replanter, commencer à planter du raisin. Ce qui est chiant, c'est qu'après, si c'est en fait, c'est plantant décalé sur ce genre de ressources. Parce que du coup, la récolte, elle est complètement décalée. Après, ça fout la merde. Putain. Oh, je repense au centre communautaire. Pourquoi t'avais pas fini? Bah non. J'ai de nouveaux articles en stock. Une canne à pêche de luxe et de gros appâts. Tu peux utiliser un appât sur ta canne à pêche pour que les poissons mourent plus rapidement. Ouais. À bientôt. Super des cailloux, c'est génial. Jodie, quoi, faut que je la trouve impérativement.
Ouais, au pire, je vais acheter full raisin et puis des piments, on verra à la fin. C'est pas le plus important, les piments. Pourquoi j'ai gardé ma bêche? N'importe quoi. Graines de fleurs tropicales, graines de blond, graines de maïs, graines de tournesol, gazon, sud. Ah, mais y a pas! Mais pourquoi y a pas le raisin? Ah, c'est peut-être plus tard qu'il les bloque. Ah, bah non, alors j'ai peut-être pété les plombs, le raisin, ça se trouve, c'est pour l'automne. J'ai peut-être pété les plombs. Le houblon. Graines de houblon. Bon, j'ai acheté un truc, mais j'ai un doute sur ce que c'est. Du coup, je vais planter ça. Tu sais que tu mets les poissons étoilés. Ah, tu les vends, tu batailles pas? Ah bah non 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 non, mais faut qu'on rapporte de l'argent là. Ouais, j'ai pêché. Putain merde, je fais n'importe quoi. Je sais pas ce que j'ai acheté là en fait. Super. Mais non, mais en fait. Ouais. Ah si, je crois savoir. Je crois savoir. Si, ça rapporte pas mal en plus. Ça rapporte pas mal ce que j'ai acheté. Bon, il faut que je laisse un emplacement par là au moins. Au secours. Pêcheur, arc-en-ciel. Fisherman. Ouais. Ça c'est grâce à moi. Bon, alors, bon. Bon, j'ai juste rajouté, voilà, hein, j'ai rajouté un contour, j'ai pas oublié les accès, donc normalement ça devrait être praticable. Et bah, j'ai toujours pas cherché Jodie, hein, ma vie est nulle. Ah, je peux peut-être la toper chez elle ou attendre devant chez elle. Je peux peut-être faire ça. Jodie, c'est celle avec le plus violet, je crois. J'ai un doute. N'hésite pas à changer d'endroit hein, pour pêcher. Hein. Ouais. Si tu veux varier un petit peu. J'ai eu un poisson arc-en-ciel. Ouais, tu devras peut-être le donner. Hein.
au Ouais, mais le centre problème, c'est qu'il commercial. est étoilé. C'est pas grave, c'est pas grave. Si tu t'en fous, Caroline. Je pourrais peut-être demander à Pierre hein, d'après avoir dîné ce soir. Ouais. On se fait niaise. Non, le tout c'est vraiment d'avancer. Après, si effectivement t'en as plusieurs et que t'en as. L'étoilé tu le vends et l'autre tu le donnes, mais si t'en as qu'un seul, t'en fous, Putain, mais il y a personne. Ah, elle est là, je crois. Yes, Jody. Ah, attends, qu'est-ce que tu me dis? Ah. Yes, super. Voilà, j'ai pas le temps. T'avais de ce côté là-bas aussi, il y avait des poissons intéressants. Et quand tu te balades comme ça, que tu vas genre juste pêcher, que tu prends juste ta canne à pêche sur toi pour aller pêcher, pense à prendre ta bêche, au cas où c'est des vers de terre. Putain, là, je viens de trouver un livre. Bon, cette fois-ci, voilà, on t'essaie de te coucher pas après 1 heure. Je pense qu'on va mettre des appâts. Tant pis. Poisson lune. T'en avais déjà donné un de poisson lune? Je sais pas, attends. C'est plus. Il me semble. Une dorade. Ça oui. Ouais, au pire, on va se répartir quelques appâts et tu vas les mettre sur ta canne à pêche, comme ça, ça ira plus vite. Un chevesne. Non, ça par contre jamais j'ai pêché ça. Chevesne, ça s'écrit. Non. Même écrit comme ça. Calme-toi, calme-toi. Putain, il est pas le con. Ah non! Allez, je l'avais presque! Oh là là, il me fait péter un plomb. Oh là là là. Bon, concrètement, dans le jeu, ça fait genre plus d'1 heure que je bataille avec un poisson. Allez! Je suis toujours sur le même. Non. J'étais encore à 2 doigts. Enculé. Je le déteste. Ah, je vais le perdre. Mais non. Yes, je l'ai eu. Un brochet. Oh putain, le brochet de ses morts. Faut le mental, hein. Ah oui, non, mais en passant par là, je vais me bloquer. Allez, faut rentrer, hein. Au pire, les nouveaux poissons, si t'as un doute, tu les mets dans le coffre et on verra demain. Météo. Orage n'approche, des tonnerres et des éclairs vont être rendez-vous. Ils disent pas s'il pleut.
Ah oui, non, si, si, c'est tonnerre, machin, au rendez-vous, c'est qu'il pleut. Vivre à la ferme. Par contre, tonnerre, attention, parce que s'il y a un tonnerre, s'il y a de l'orage, l'orage peut tomber genre dans notre champ, et si, admettons, il y a des arbres fruitiers, ça peut griller un arbre fruitier, hein. Bon, là, on n'en a pas, mais ça, c'est une possibilité. Bon, je mets de côté des poissons. Attends, je vais même regarder si... T'avais des poissons, toi, déposés ou pas? C'est bon, je l'ai mis tout à vendre sinon parce que j'avais rien qui nécessitait. Les poissons globes se trouvent dans Attends, la attends, mer au attends, attends, début attends. d'après-midi. Faut aller au lit. Attends, tu vas me dire que j'ai aucun poisson emmené au centre communautaire là? Si on veut pêcher des poulpes, il faut y aller le matin. Mais on peut pas le matin. Il faut aller à la mer. Si, tu peux. Tu peux, tu peux. Waouh. Ah, du coup, pas besoin de... Il y a besoin d'arroser, effectivement. Alors, par contre, je revérifie là pour le centre communautaire parce que ça me rend fou. Du coup, je vais aller profiter pour aller pêcher à la mer. Je suis un poulpe. Oh, mais à mon avis, Emma, que t'as qu'à la pêche, tu pourras pas. Bataille Je pas. On tente. va. Non, mais on va les miner. On va les miner, Emma. On va les miner. Encore pire qu'en vrai. Eh ben écoute, je crois que j'ai rien de. Je suis dans la mine. Ah, j'ai pas pris de quoi manger. Là, sans manger, ça va être compliqué. Hop, l'épée. Bah, moi, j'ai rien à bouffer en fait. Enfin, j'ai un réfort et deux algues, une canette. Ouais, c'est moi qui te les ai posés. Je sais même pas si je prends. Je prends même pas la canne à pêche. Allez, zou, c'est parti. Et ouais, putain, il aurait même fallu limite. Tourner un petit peu pour voir s'il n'y avait pas moyen de ramasser des. Ouais, chier. Retiens bien, hein, si tu vois un truc qui ressemble à une citrouille, à ramasser un peu genre jaune. Ouais, jaune orangé, faut le ramasser, faut l'emmener au centre communautaire. Mais bon, à mon avis, ça on en verra pas avant un petit moment. Ça, tu vois, ça fait partie des. Oh, voilà, ouais, donc zéro énergie. Raisin. Garde-le. Tu vas peut-être le consommer. T'en auras peut-être besoin dans la mine. Et si c'est pas le cas, et ben, essaie de le mettre de côté. On s'en servira. À l'occasion pour admettons du. Ah mais j'ai oublié la pioche. Bravo. Bon vas-y. Oh là là, quel con. Va pas trop trop loin. J'ai hâte de geler. Ouais, j'en ai aussi, j'en ai laissé deux à la maison. Faut aller les péter. J'ai l'échelle en plus. Ouais, va pas trop loin. Oh là là, là y a les vers de terre. Putain, y a trop de trucs. Et moi, comme un con, j'oublie la pioche, quoi. Mais je suis le roi des cons. Pourquoi j'oublie la pioche, sans déconner? C'est fou, ça. Putain, mes graines de carambole, y avait une graine, Emma, à planter. Comment ça? Bah, il y avait une graine à planter dans le coffre. En plus, ça met 13 jours à pousser, quoi.
Bon, replay vers de terre. Hein. Prends pas de risque. Hein. En plus, on n'a pas des épées de ouf, donc... Là, je rentre dans la mine. Et en plus, moi, j'ai pas l'anneau qui m'éclaire, donc si c'est des étages sombres, c'est la merde. Ton échelle au premier étage, tu l'avais où? Ah ouais, non, mais... Ah bah c'est mort, moi j'ai pas en fait, vu que... Ok, je suis obligé de la retrouver moi-même. Quartz raffiné. Yes, oh yes, on avait besoin de ça en plus. Alors les fruits et machins que tu trouves dans la mine, il faut les mettre de côté. Alors ouais, celui-là je viens d'en looter, je sais pas si t'en as déjà looté. Non. Bah moi j'ai looté un fruit de cristal et une racine d'hiver. Alors la racine d'hiver, admettons tu peux la bouffer, mais le fruit de cristal, ouais remarque, si t'en lootes de ça, au pire tu vas me les donner. Faudra mettre de côté parce que ça c'est des ressources qu'en fait on peut planter en hiver. Un coup d'épée, ça marche aussi. Ouais. Mais ouais, ça c'est des trucs que tu peux planter en hiver. En fait c'est tu peux te faire des graines pour l'hiver pour petit charbon. Ouais, ça donne du charbon ces petites bestioles. Mais je suis en train de tout looter. Au secours. Ah, on aurait dû mettre une des pioches chez le forgeron. Ah oui, mais non, on aurait pas eu assez d'une. J'ai l'échelle. Faut regarder s'il y a pas. T'as un inventaire plein, putain, pour de la. Du fer. Je sais pas si ah t'as bon, un... si. Du fer. Non, j'en ai sur moi. Bah, prends. Là. Pour moi, il y a un minerai à looter. Voyons voir. Non, mais viens looter le fer. Y'a rien d'autre? Bon, vas-y, on avance. Mettez pas. Oh, tiens, du fer là. Tiens, prends. Demain. Oh, le parchemin. Oh, il faut le prendre. Oh là là, attends, je vais le prendre. J'ai plus de place. Est-ce que t'as des... L'arme gelée, ça je prends. Il faudra l'emmener à Gunther. Des sèves. Non. Des minerais de fer. Minerais de fer, non. Non, mais non, mais moi je te le dis depuis tout à l'heure d'en prendre, c'est pas pour rien. Pardon, de fer de... Pas de fer de cuivre. Non plus. Non, non, mais c'est bon, bataille pas. Et moi là, va falloir céder hein, dans les mines, ça va être compliqué. Hein. Enfin, encore eux, ça va, ils font pas très mal, mais c'est surtout les slimes qui vont commencer à piquer et autres bestioles qu'on a pas encore croisées. Putain, sérieux. Et les slimes, c'est important, hein, ne les jette pas, on va en avoir besoin d'un petit paquet pour le centre communautaire. Les ailes de chauve-souris, pareil. Les cailloux. Mais c'est vrai qu'il faudrait acheter au moins que l'un de nous deux achète l'extension de sac. Ce serait une bonne chose. Allez, hein, faut enchaîner. Il y a de la sève ici.
Il y a du jade ici. Attends, Pierre, je vais le prendre. Attends pas. T'avais pris du quartz toi ou pas? Non. Ah non, du bois. C'est quoi? C'est du bois normal ou du bois? Ouais, bah non, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Des bottes? Dis donc. Je peux pas le prendre. Putain. Au secours. Bah, attends, je vais prendre le Jojo Cola. Ah mais non, mais quel... Pff, oui. Mais je crois il prend le bois. Bon, prends-toi les bottes au pire si tu peux. Donne-moi le bois. Bah du coup je peux prendre ma chaussure. Donne-moi le bois. Donne-moi le bois. Quel enfer. Mais non mais... Putain, je suis en train de tout bouffer là, au secours. Allez, faut avancer. Ah bah tiens, paf, one shot. Attends, je prends la caisse. T'as faut lui casser la gueule, faut lui casser la gueule. En sachant ouais, que les ailes de chauve-souris sont importantes pour un craft plus tard. Donc c'est bien de les prendre. Juste regarder en dessous si jamais il y a quelque chose. Rien, allez go. Allez hop, le coffre. Deux zones. Bottes de toundra. Putain de merde, j'en ai plein de cul. Je peux pas déposer mon jade et dire c'est bon, nique. Bon, nique le jade, hein, c'est bon. On s'en fout des bottes, c'était mieux celle qu'on a looté. Ah bon? Bah non. Pas moi. Non, non. On se trouve. Bah. Ah, toi, peut-être que toi t'as looté les, là les bottes que t'as eues, peut-être qu'elles sont mieux, mais moi là par rapport aux anciennes que j'avais, elles sont mieux. Bon, allez, on peut continuer encore un petit peu. Ça va être compliqué, mais. Les pioches, ouais, va falloir les améliorer. Et ouais, il faudrait tellement. Oh là 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 là, tout ce jade. Bon, les chaussures, je crois qu'en plus on peut même pas les vendre. Et ben hop, voilà. Ouais, il va falloir que la nous deux au moins l'extension, la première extension de sac. Mais t'inquiète pas, de toute façon avec tout le maïs là, on va se blinder. Tiens, j'ai. De toute façon, je crois qu'on va rentrer. Hein. On trouve la... Pff, ouais, remarque. Attends, avance un petit peu, tant pis, pas, on va remonter, on va prendre l'échelle. Ne bataille pas, ne bataille pas, Emma, ne bataille pas. C'est juste là, viens prendre le fer. En plus il y avait les chats qui étaient là. Le charbon je prends. Paf. Oh là là. Ouais. Ça va être très compliqué. Attention derrière toi. Fais gaffe fantôme. Oh, tout se faire. Oh là là. Faut que tu prennes. Absolument faut que tu prennes ce fer. Mine le fer, mine le fer. On aura jamais le temps. On aura jamais le temps. On aura jamais le temps. Faut entrer, faut entrer, faut entrer. Bouge, bouge, monte, prends l'échelle. Bon mais là c'était trop important, il y avait trop de fer. Tu fonces à gauche, fonce à gauche. On n'aura jamais le temps. Fais chier, on aura un malus. Bon, on s'est mis bien. On s'est mis bien.
Ça, par contre, j'ai l'impression que t'as un délai de ouf à chaque fois que tu passes de zone en zone. Putain, moi je. Oh, même moi ça va être limite. Ouais, bon, on va avoir un malus, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pas grave. Allez, yes. C'est pas grave. Franchement, on a géré. On a géré, c'est con, putain, il manquait un filon de. Mais toi, tu vas monter les stats en minage, c'est sûr. Ok. Oui, il y avait deux géodes gelés ici. Ça, il faut que j'emmène à Gunther. Ça, c'est à mettre ici. Ça, ici. Ok. Ah, le parchemin, ok, super. Ok. Les slimes. Ok, c'est bien ça. Emma, faut le faire. Putain. Ça va, le malus c'est pas violent. C'est gérable. Ah mais quel con du coup j'ai. Ah mais non, ça va être pour emmener au centre communautaire. Tes géodes gelées, tu les as? Ouais. J'en ai une. Tu vas m'en filer une. Ah le chat tu commences pas hein. Emma tu te mets, regarde, tu te mets derrière les rangées. Hop. Comme ça. C'est le plus simple. Et une fois que t'es une fois que t'as fait l'extérieur, du coup tu rentres dedans et tu t'occupes du reste. Sinon tu perds du temps. C'est l'intérêt de la rangée en fait. Parce que sinon, je mets, si, quitte à fonctionner comme ça, dans ce cas-là, je mettrais des rangées à l'intérieur. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout opti en termes de gain de temps. Oui, je le sais que t'es casse-cou, oui, tu peux me regarder de travers. Hein. Comment ça, il te regarde de travers? Bah non, mais il me regarde en mode, oui, oui, et alors? Ah mais putain, mais ça a jamais été pété le truc ici là. Putain. Voilà. D'accord, quand on va tout récolter. Tu sens pas l'argent là? Non. Franchement. Là déjà le maïs là. Quand il y a tout qui va tomber dans le maïs. Sauf qu'entre temps on va peut-être monter nos stats. Donc du coup on va avoir Ah ouais. Mais je me demande si c'est. On en a pas emmené au sein communautaire des géodes comme ça. J'ai plus de force du tout. Communautaire des géodes comme ça ramener, j'ai un doute. Tu t'es occupé de ton chat? Ouais. Bon, je vais aller pêcher. Ouais. Eh merde, putain. Février cette histoire.
chaufferie. Ouais, non, je sais pas. C'est peut-être pas pour l'instant. Ouais, on va aller péter ça. J'ai pris la canne à pêche aussi. J'ai gardé mon seau, très bien. Putain. Là, j'ai du mal à me... concentrer. Avoir des poissons globes en après-midi à la mer. Poisson globe, ouais, pas évident. Alors, en fait, je crois que c'est un endroit en particulier. Je crois que c'est à droite, mais je crois que cet endroit-là, pour l'instant, tu peux pas l'atteindre. J'ai un doute, hein, mais il me semble. Essaye tout à l'extrémité, soit tout à gauche ou soit aller tout à droite, mais le problème c'est que tout à droite tu peux pas y aller pour l'instant, donc essaye tout à gauche. Le pont est cassé. Ouais voilà, c'est parce qu'il faut beaucoup de bois pour le réparer. 300. Ouais. Bon, je crois qu'on les a en grosso merdo. Ou pas, peut-être qu'il faut en péter encore un petit peu. Bon, mine de rien, Ça mord. le centre communautaire ça avance vraiment petit à petit, mais ça avance. Oh, vite, 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 vite. Faut que je me mine le cul. Faut que je me mine le cul. Ah putain, c'est 15h en plus l'autre là, non? Ou c'est 16h, je sais plus. Quel enfer. Ah oui, il y a un gars qui vend des glaces, c'est vrai. Transformer les géodes. Ouh, nouvelle ressource. La glaise, super. Ouh, nouvelle ressource. Et 5 cailloux. Allez, Gunther. Ah, ding ding dong. Au secours! Merde, j'avais. Récompense, super. À propos de la cueillette, ouais. Est-ce que je vais avoir le temps d'aller chercher les fameux piments? Poivrons. Ah, ils appellent ça les poivrons. C'est pas les piments en fait. On pouvait faire du blé. On peut faire du blé et si on le récolte à la faux derrière avec le blé, on peut, je crois, faire de la bière. Il y a tellement de trucs à faire dans ce jeu, c'est ouf. J'ai bientôt plus de force. Ouais, bah bataille pas, hein. Au pire, on va faire une petite journée et c'est pas grave. On va faire une petite journée, hein. Par contre, il refaudrait encore des. C'était combien? C'était 20 minerais de cuivre pour faire une chaufferie là? Ouais. Il fallait quoi en plus? Du... Des cailloux? Crois que c'est ça. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça.
Oh là là, zut. Bon, pour l'instant, on va mettre ça là. Ok, ensuite ça. Bataille pas trop Emma, hein. C'était moi j'ai pareil, j'ai bientôt plus de force, on va faire une petite journée, comme ça on va se coucher et on. Bon, j'ai 3 poissons à vendre. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Là on fait un peu misérable, mais en fait c'est cool. Franchement c'est cool. Gotta get fast. Bon, ça ressemble pas à grand chose le champ, mais bon. Mais bon. Les ailes de chauve-souris 15, je sais plus combien il nous en fallait. Cinq lingots de fer déjà. Ouais, tonnerre et éclair. Demain? Oh yes, et bah du coup on va pouvoir repartir miner. Et j'ai même envie de te dire. Ah putain, on n'a pas d'argent. Je me suis emballé pour rien. Je me suis emballé. Et tu sais quoi, vu l'heure qu'il est, tu te couches même pas. Tu prépares ton barda pour demain. Vu qu'on n'est pas en pleine bourre. Et va falloir que tu sais quoi, prends-toi du bois et fais-toi un coffre dans la maison. Comme ça, ton stuff et tout, tu mets ton stuff dans la maison. Te prends pas tout le bois par contre. Bien. J'en sais rien, tu restes appuyé sur carré et t'en prends. Attends. Je sais pas combien c'est. C'est 50. Tu te fais ça, prends 50 de bois et je vais faire pareil. Ça, c'est le bordel, on mélange tout là. Je vais même faire un autre coffre pour les ressources, genre je vais le mettre d'ailleurs à côté du coffre pour vendre. Je vais mettre un coffre à côté du coffre pour vendre et c'est le coffre pour les ressources, genre les pierres précieuses et tout ça, les trucs que t'as déjà emmené chez Gunther et que tu relouterais. D'accord? Donc faudra penser à trier ça, parce qu'on en a déjà de côté. Et attention où tu places le coffre. Bon, attends, toi je pense pas que t'auras ce problème là, mais moi par exemple par rapport au chat. Si le chat, si tu mets ton coffre dans un coin et que le chat se met devant, en fait il peut te bloquer en se mettant derrière toi, ou alors il peut bloquer ton coffre. Donc c'est, il peut bloquer ton accès à des trucs importants quoi. Et ça c'est la grosse misère. Donc prépare-toi le barda. On a encore 1h20. La pioche. T'as de quoi bouffer ou pas? Ça c'est embêtant. Putain, il y avait ça à planter aussi, putain. Alors, si t'as pas de quoi bouffer, par contre, ça va être compliqué. Bah au pire, tu te prends les 5 patates qu'il y a dans ce coffre. Allez, on va dire ça comme ça. Allez, au lit. J'aime plus jouer avec le feu là. Niveau 3 en pêche. Oh, c'est bien. Je sais plus la pêche au-dessus. Je sais pas comment on la chope. Si c'est une. Si on l'achète ou si. Oh, on l'achète peut-être. Hein. Ok, et eh ben. On vérifie les champs, toujours. Enfin, parce que la dernière fois, on s'est fait niquer comme ça. Hein. Ok.
T'as le. Là, la... notre maison, là, va falloir la clean. Attends, y avait plus court, mais bon, tant pis. Vas-y, avance. Avance, avance, avance. Yes, tu vois. Nickel. Baies épicées. Ok, super. C'était des baies épicées. Je vais en mettre une au centre communautaire. Et ça m'en fera une à bouffer. Putain, par contre, c'est les. Les. Putain, les buissons là, on n'a pas de. Des buissons à mûres. Peut-être plus tard. Alors, on va pas trop loin parce que là, t'as vu, ça commence à être un peu la cata. Et du coup, j'ai 10 graines. Ah, 30 graines! 30 graines d'été! Oh là là, j'ai 30 graines d'été. Faut que je les plante. J'irai les planter à la fin de la journée. Et du coup, on a débloqué un nouvel encart au centre communautaire. Faudra que tu jettes un oeil. Ok. Et c'est juste à côté de l'aquarium, c'est sur le panneau d'affichage. Ah, mais c'est ouf, hein, franchement, ce jeu. C'est pour ça que je te dis, ça fait plusieurs jours, j'avais envie d'y jouer. Oh, je suis trop hypé par ce jeu. C'est un petit jeu à la con, mais vraiment, ça change et. Même quand t'as, en fait, ce jeu-là, même quand t'as pas trop la tête, bah en fait ça va tout seul quoi. C'est motivant en fait. Alors que y a des jeux, genre je sais pas, Battlefield là, ces jours-ci j'avais voulu m'y remettre et en fait il faut être motivé pour jouer à ce genre de jeu. C'est un peu la grosse différence. Allez, je suis là. Ne te t'épuises pas trop pour rien. T'as pas trop l'échelle? Non. Ah, il faut tellement que. Là, au niveau de l'argent, il faut que. Ah, géode, yes. Géode, yes. Ah, mais j'ai pris la récompense chez Gunther, au fait. Mais merde. Alors, je te conseille tes barres de tâches de les ranger d'office. Donc, en premier, dans la première case, tu te mets. Tu te mets l'épée et dans la dernière tu te mets la pioche. Comme ça t'as juste une pression de joystick à passer de la pioche à l'épée. Et donc juste à côté de ton épée, donc en deuxième position, tu te mets à bouffer. Est-ce que tu comprends la logique? Bah fais-le maintenant. Ok, l'échelle est au bout. Ah, et le problème du fantôme, c'est que si on a, à moins d'avoir une arme adaptée, on peut pas lui faire beaucoup de dégâts. Et donc ça peut être très très long. Par contre, il va looter un minerai en particulier dont on a besoin pour le centre communautaire. Je t'ai dit, les slimes, tu les coinces contre les murs. Ouais, mais lui. Bon, au pire, continue d'explorer. Ah, y a du fer à miner. Graines de café. Ah oui, alors ça, ouais, c'est ouf. Ça, c'est ouf, faudra le planter. Alors, du café? Ouais, alors après, il nous faut la machine à café. Ça, par contre, je. Ah, je sais plus, putain, je crois que j'avais eu l'astuce. Mais je me rappelle plus. Et en fait, le café, c'est trop cheaté. Parce que quand en début de journée, tu bois du café, en fait, ton perso va vachement plus vite. Là, il y a de la sève là. Yes, j'ai. Est-ce que t'as du charbon sur toi? Oui. Ou du fer? T'as du fer sur toi? Non. Attends, j'ai le charbon. Si, du fer, oui. Encore. Déjà. Allez, faut finir de leur casser la gueule.
Oh, un parchemin. Oh là 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 là. Oh non, mais y a trop de trucs. T'as de la sève sur toi? Oh, j'ai de la place. Ah bah, prends le parchemin déjà. T'as des slimes sur toi? Non. T'es sûr? Depuis tout à l'heure, tu pètes des slimes et t'as pas de slime sur toi. Non, c'est toi qui es vraiment ici sur toi. Attends, de toute façon, je vais bouffer un truc, ça me libère un emplacement. Non, parce que les ailes de chauve-souris, faut les ramasser à tout prix. Y'a du fer, Emma, là, à gauche. Je sais pas si t'en avais sur toi. Ouais. Tout à gauche, au fond. Économise les ressources à bouffer, Emma. Hein. Si au niveau de l'énergie ça va, bataille pas. Hein. Ah, mais la santé c'était pas top. Quartz, on s'en fout. Allez, hop. Allez, on avance en bas à droite. On prend l'échelle. Attends, mais pourquoi il m'a modifié ça, ce con? Putain, je lui ai jamais demandé de modifier mon putain d'inventaire. Peut-être un petit peu. Ok. Ah, mais le fantôme qui met 4 ans, c'est un truc de ouf. Au pire, les quartz se bataillent pas. Hein. Épée. En fait, si tu vas avec les ailes de chauve-souris et d'autres ressources, je sais plus quoi d'ailleurs exactement, je crois que c'est un lambeau d'iridium, j'ai un doute. On pourra faire des paratonnerres. Et du coup, paratonnerre qui pour éviter. Ça a le même système que je te dis, le périmètre, ça couvre le même périmètre qu'un épouvantail. Bien, ça avance. Le tout est de pas trop être gourmand dans les mines, mais en vrai ça se passe bien. T'as combien de fer sur toi là? 16. Ah, c'est cool. Hop, allez, du coup on a débloqué l'ascenseur pour cet étage là. Vas-y, on regarde cet étage là après. On peut ne pas faire une trop grosse journée, pas trop être gourmand. Je sais que si je peux passer au centre communautaire, c'est bien. Oh, ça commence à tirer la gueule un peu. Allez hop. Voilà. Il est derrière, il est derrière. Des épées de merde, c'est un truc de ouf. Ça truc de dingue. Tu dois taper 15 000 fois. Ah, bah, bonne nouvelle. Il y a plein de minerais à faire. Par contre, Emma est... Ouais, vas-y, fais. Elles sont tellement merdiques, ces épées. Ah non, ça faut que je ramasse. Oh, un parchemin encore. Oh non. Ah non, vraiment, vous faites ça là. Viens voir si tu peux le ramasser. Ça se trouve, c'est le même que t'as ramassé tout à l'heure. Ah, c'est le même. Il y en a différents. Hein. Je crois qu'il y en a 5 différents des parchemins. Il faut faire quoi des parchemins? Les amener Si t'as l'info en mode ouais, Gunther peut t'en dire plus, faut que tu les ramènes. Sinon, ça veut dire qu'on l'a déjà eu et tu le mets de côté.
dans un coffre. Non, j'ai tout donné, hein, tout ça, non, j'ai pas. Ok, bah c'est qu'on l'a déjà eu. C'est le numéro 2? Ouais. Ouais, on l'a déjà eu. Ah, oh là là. Ouais, bah ouais, t'as bien fait. Mais fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. À 20h40, je pense qu'après on va déclarer. Oh non, notre parchemin. Ouais, et ben faut le prendre. Je sais pas si t'as des Je trucs, vais jeter des choses. des cailloux, j'en sais rien. Peu importe. Les cailloux, on s'en fout au pire. Enfin, oui et non, mais c'est pas grave. Mais en plus, on a même pas l'info du numéro de l'étage dans lequel on est. Mais de toute façon, on va pas faire comme la dernière fois, on va partir. Je veux juste finir l'étage au cas où. Merde, putain, je tourne le dos comme un connard. Oh, graines de café encore, deuxième yes. Graine de café. Ouais, mais c'est cool, faudra les planter et je sais plus c'est quoi la machine pour faire du café. Et ce sera vraiment craqué parce qu'en début de journée on pourra boire du café et enfin c'est hyper optique quoi. Tu gagnes un temps de ouf. Ouais, c'est un étage à mort. Putain, c'est la vie qu'ils ont. 58, on n'aura jamais le temps. On va rentrer de suite. C'est pas grave, on a bien avancé, on a miné, c'est cool. À gauche, shoot. Yes, c'est cool, et bah du coup, une petite semaine sympa, hein, parce qu'on a bien avancé. Bon, c'est chiant. Emma, où tu vas? Par contre, on va devoir se coucher direct. Et tant pis, on rangera notre inventaire. Enfin, toi en tout cas, tu vas devoir le ranger le lendemain. Mais ça, du coup, je pense que ce sera pour la prochaine VOD. Il fera beau demain en plus. Ouais. Bon, j'ai appris à cuisiner un poisson au four. Ok, allez au lit. Et bah du coup... Bah le chat qui est vraiment devant la télé, ce bâtard. Allez paf! Et bah nickel! Et bah écoutez, c'était un bon épisode, on a bien avancé. Bon, c'était un peu la pleine bourre, mais au moins on a optimisé tout ce qu'on pouvait optimiser. Dans l'attente évidemment de récolter tout ce qu'on a planté, histoire de se remettre bien niveau thune, augmenter notre espace d'inventaire, parce que là c'est vraiment la grosse misère. Et puis voilà, et puis on continuera à faire des upgrades au niveau des seaux, des pioches. Je pense que les pioches ce serait une bonne chose, les seaux, et en espérant aussi qu'on loot on loot vite d'autres épées, parce que là c'est vraiment la grosse merde quoi. Enfin bref, du coup, on s'arrête là, petite sauvegarde, et des gros bisous, à bientôt pour la suite cette aventure sur Stardew Valley. Au revoir. Salut!